l'économie, le fonctionnement des médias repose sur un certain nombre de forces. La première force des médias, ce sont leurs propriétaires. Leurs propriétaires, dans les médias français, c'est assez simple, ce sont des milliardaires. Vous prenez Arnault, vous prenez Pinault, vous prenez Niel, vous prenez... ce sont des milliardaires qui utilisent les médias comme moyen d'influence. Moyen d'influence, c'est le cas de Dassault pour vendre des armes, enfin Dassault, du groupe Dassault pour vendre des armes en matière géopolitique, ou c'est le cas de Drahi pour avoir de l'influence et avoir la possibilité d'étendre son empire, par exemple, dans le domaine de la téléphonie. Voilà. Donc, des milliardaires. Ensuite, le deuxième élément important du fonctionnement des médias, ce sont les subventions publiques. 2 milliards, un peu plus de 2 milliards pour la presse écrite, 6 milliards pour les médias audiovisuels, publics, radio, etc. Vous avez ensuite, troisième élément d'influence, les pubards, les gens qui apportent la publicité et qui ne sont pas neutres, parce que la publicité, elle véhicule aussi des messages idéologiques. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, dans les publicités, le poids des personnes de couleur ou issues de la diversité, pour employer le langage politiquement correct, qui montre que le grand remplacement a en tout cas eu lieu dans le domaine des images publicitaires, et même peut-être au-delà. Et puis, vous avez la caste journalistique qui est formée dans les écoles de journalisme et qui est formée au politiquement correct. Donc vous avez toutes ces forces qui emmènent toutes à peu près dans le même sens, qui sont dans le sens de l'idéologie dominante. Et vous avez une cinquième force qui est tout simplement le public. Et le public, ça peut être les acheteurs de journaux, ça peut être les gens qui regardent la radio, la télévision... les réseaux sociaux, le public, il est partagé entre des opinions qu'il va avoir par son expérience sensible, par sa vie de tous les jours, et les opinions qu'on lui ingère par la propagande. Et donc, il y a là les éléments d'une contradiction entre ce que ceux qui émettent souhaitent émettre en fonction de leur intérêt, en fonction de leur idéologie, et ceux qui regardent et qui souhaitent aussi entendre des choses plus en rapport avec eux-mêmes. Et c'est toute la dynamique du changement médiatique qui commence à s'opérer aujourd'hui. Commence à s'opérer de manière relativement modeste, mais qui commence à s'opérer. À partir de 2005-2010, on voit une contradiction s'opérer entre le public et les émetteurs. Cette contradiction s'opère pour deux raisons. D'abord, l'idéologie politiquement correcte devient de plus en plus excessive, extrémiste, puisque l'idéologie immigrationniste, l'idéologie LGBT, l'idéologie alarmo-climatiste devient de plus en plus puissante et va de plus en plus loin, et donc commence à heurter l'opinion sensible. Dans le même temps, il y a l'arrivée
des sites Internet, l'arrivée d'Internet avec des sites qui se développent, les réseaux sociaux, des vidéos, et donc une explosion de l'offre. Une explosion de l'offre, une offre qui peut être conformiste, Nicolas Faure en a cité quelques exemples, mais aussi une explosion de l'offre qui peut aller dans un sens alternatif. Et qui aboutit aussi à l'apparition de nouveaux talents qui peuvent se former sur des médias alternatifs avant ensuite de pouvoir se disséminer sur des médias plus importants. Et donc, dans les années 2005-2010, on voit apparaître un certain nombre de médias alternatifs, ou 2005-2010-2012, on voit apparaître Boulevard Voltaire, on voit apparaître Théba Liberté, on voit apparaître toute une myriade d'éléments nouveaux et qui commencent à contaminer des médias plus classiques. C'est l'évolution de Valeurs Actuelles qui se radicalise avec le fait que l'un des hommes qui procède au durcissement de Valeurs Actuelles, qui est Jérôme Kerdiel, qui est par ailleurs un soutien de Macron, le fait, il n'est plus en poste actuellement, mais il l'a été, le fait de manière purement commerciale. Il pense qu'il y a une clientèle à trouver en tenant un discours dissident du politiquement correct, et il fait tenir le discours pour des raisons commerciales. Vous avez Sud Radio qui évolue aussi. Donc là, je parle de médias, on va dire, classiques au départ, qui évoluent à la fois sous l'évolution de son propriétaire, Serge Latouche, et puis qui évolue progressivement, qui fait une part à une opinion dissidente. Au Figaro, vous avez le Figaro Vox qui apparaît et qui publie des textes à la fois plus profonds et, encore une fois, dissidents. Vous avez le phénomène Zemmour, on en a parlé, qui apparaît dans les médias que je n'appellerai pas mainstream, mais les médias de grand chemin, puisque le phénomène Zemmour apparaît chez Ruquier, il apparaît chez RTL, il apparaît chez iTélé. Il est d'ailleurs intéressant de voir que Ruquier, à l'époque où Zemmour était son intervenant dissident, était à 2 millions de spectateurs, et qu'aujourd'hui, il est tombé à 800 000, sur le même créneau horaire, avec le même mode d'expression, mais tout simplement en s'étant normalisé. Et puis, vous avez le phénomène CNews, où là, vous avez deux faits. CNews, vous avez le phénomène Bolloré. Bolloré qui est inspiré, sans doute par deux choses, Bolloré, le propriétaire, qui est inspiré par deux choses différentes. Un intérêt commercial, trouver une clientèle nouvelle qui ne trouve pas de satisfaction dans les médias de grand chemin, et sans doute aussi développer des idées plus conservatrices ou plus identitaires ou plus catholiques qui correspondent à ce qu'ils pensent. Il y a sûrement les deux parts chez Bolloré. Personnellement, je ne le connais pas et je ne sais pas quelle est la part principale, mais il y a incontestablement une part commerciale, une part idéologique, et qui commence à jouer un rôle important, puisque après CNews, il a repris Europe 1, il est en train de reprendre Paris Match, il y a évidemment une conquête conquête commerciale, bon, qui se heurte évidemment à des obstacles, puisque quand il a voulu reprendre M6, qui est quand même la grande chaîne de télévision populaire derrière les grands majors de France 2 et de TF1, là, il y a eu
un blocage probablement politique de la part du président Macron. Ensuite, il y a le phénomène CNews s'est un peu étendu au-delà. C'est un peu étendu au-delà, puisque vous avez un certain nombre d'intervenants dissidents qu'on voit sur CNews, qu'on retrouve aujourd'hui sur BFM ou sur LCI. On a même vu des pratiques de dénonciation des bobards qui arrivent sur LCI. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène extraordinaire où le professeur Deray, qui est un néphrologue, ce qui l'autorise tout à fait à donner des leçons sur une épidémie par aérosol, a expliqué qu'il y avait des centaines d'enfants en réanimation, que quand on scannait un enfant qui avait eu la tête, le cerveau d'un enfant qui avait eu le Covid, on avait l'impression qu'il avait Alzheimer. Bon, et là, LCI a éprouvé le besoin de faire une rectification de ces mensonges, ce qui est quand même assez nouveau, parce que c'était des mensonges qui allaient dans le sens de ce que voulait le gouvernement et de ce que veut le camp du bien. Donc là, ils ont quand même corrigé. On voit aussi, alors là, tout ça est évidemment très, très relatif, mais c'est des petites touches. Le France Inter, radio dit de service public, qui est quand même fortement attaqué sur son manque de pluralisme, a donné la parole à trois éditorialistes réputés de droite. Alors c'est quand même extrêmement relatif, parce que dans les trois, il y a Natacha Polony, bon, qui n'est quand même pas franchement de droite. Et il y a Pavlenko, qui est aussi d'une droite tout à fait modérée. Et ils expliquent, alors ça c'est intéressant, qu'ils interviennent en toute subjectivité. Ce qui laisse entendre que le reste des intervenants sur France Inter, c'est de l'objectivité, et là c'est de la subjectivité. Mais ils ont quand même jugé nécessaire d'ouvrir cette porte. Et ils ont demandé à la Fondapol, à Régnier, qui est un homme qui fait d'ailleurs des travaux plutôt intéressants, on les a vus tout à l'heure, de faire une analyse sur le traitement, le pluralisme à France Inter. Et ça, c'est quand même, je ne sais pas ce que Régnier va pouvoir leur dire, mais à mon avis, ils sentent quand même qu'ils vont être obligés de lâcher un peu de lest. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement d'ouverture des médias. Ça, c'est le phénomène nouveau, parce que ça progresse et c'est le début, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler une déglaciation. Mais ça n'est que le début. Il faut bien voir, et là je voudrais quand même nuancer le propos, tous ces médias restent des médias de niche, c'est-à-dire ça touche des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, pas des dizaines de millions de personnes. Bon, on a beaucoup raconté que Zemmour était partout, etc. C'est faux. C'est faux. Il a été très présent, mais il est resté jusqu'ici, en tout cas en présence directe, totalement absent des journaux télévisés. C'est-à-dire qu'une émission de CNews là, qui fait la plus grande audience, c'est 800 000 personnes. Ce qu'il faisait avec Zemmour ou qu'ils font avec Boccoté, 800 000 personnes. L'ensemble des journaux télévisés, c'est-à-dire France 2, France 3, M6, TF1, c'est 16 millions de personnes. Et donc, la déglaciation, elle ne touche encore qu'une petite minorité de l'opinion.
Il y a donc une distorsion d'audience, et il y a aussi une distorsion de moyens. Le JT de TF1, c'est 800 personnes. 800 personnes. Donc vous voyez ce qui peut se faire en face. C'est extrêmement modeste. Et puis, il y a cet élément, cette autre distorsion, c'est que vous avez d'un côté des médias monocolores et de l'autre côté des médias pluralistes. Le média monocolore, c'est-à-dire que si vous allez sur France Inter, sur France Info, sur beaucoup de médias, vous n'avez qu'un son de cloche. Sur les médias que j'ai décrits, les médias dissidents, vous avez les deux points de vue, ce qui est bien d'ailleurs. Vous avez des débats, vous avez des gens de tout point de vue. Et surtout, vous avez une chose qui reste extrêmement perverse, y compris sur les chaînes en continu, y compris sur CNews, ce sont les bandeaux en dessous. Les bandeaux en dessous, ça reprend en gros les dépêches de l'AFP. Et donc c'est une propagande continue. Et c'est fait généralement par des journalistes qui sont eux-mêmes politiquement corrects. C'est-à-dire que vous pouvez très bien regarder Bob Côté sur CNews, mais vous avez dans le défilé en dessous, et répété à l'infini, parce que le petit bandeau il revient régulièrement, souvent avec les fautes d'orthographe d'ailleurs, mais enfin c'est pas grave, le petit bandeau vous met un message qui correspond à l'idéologie dominante, c'est-à-dire que même quand vous êtes sur des médias plus libérés, j'irai pas jusqu'à dire alternatifs, vous avez quand même l'injection de l'idéologie dominante. Donc, il faut se féliciter de l'évolution qui a eu lieu, de l'évolution, de la naissance d'un certain nombre de médias alternatifs, qui donne un autre point de vue, plus. Quand je dis d'autres points de vue, c'est qu'il y a des points de vue divers, y compris le point de vue politiquement incorrect. Donc ça, c'est nouveau, c'est bien. Ça se développe parce que ça contamine quand même, par influence successive, les médias dominants, mais il y a encore un champ considérable d'extension possible. Alors, je vais donner quelques idées d'extension possible. D'abord, et c'est aussi à nous de promouvoir ces changements. Les campagnes politiques ne sont pas neutres, les campagnes idéologiques ne sont pas neutres. Quand on attaque France Inter ou France Info, il y a un moment où ils sont obligés de prendre un peu de recul et de lâcher un tout petit peu de lest. Alors, quelles sont les batailles qui restent à mener? Je vais en citer quelques-unes, mais il y en a évidemment d'autres. D'abord, il faut faire campagne contre les bandeaux, les bandeaux qui défilent, qui sont les instruments de propagande, ne se pressent que par la répétition. Et qui sont des instruments de propagande, puisque les journalistes reprennent généralement en bandeau le titre des dépêches de l'AFP. Or, il faut savoir que dans les dépêches de l'AFP, l'Agence française de propagande, il y a une distorsion souvent entre le contenu de la dépêche et le titre. Le contenu est biaisé, mais le titre est biaisé par rapport au contenu. Et donc, il y a une campagne à mener contre ces bandeaux. Ensuite, il y a une campagne à mener sur le rétablissement de la pluralité sur les chaînes publiques et les médias subventionnés. À partir du moment où une chaîne publique vit avec l'argent public, à partir du moment où un média est subventionné par l'argent public, c'est le cas de toute la presse écrite, il doit y avoir une exigence de pluralisme. C'est-à-dire qu'il y ait des idées de gauche politiquement correctes qui s'expriment, très bien, mais à condition qu'il y ait des idées
contraire qui puisse aussi s'exprimer. De ce point de vue-là, l'étude que Radio France a confiée à la Fondapol est tout à fait intéressante. Nous avons un Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a été totalement défaillant, qui réprime la liberté d'expression et ne protège pas le pluralisme. Il faut sans doute le remplacer par un Conseil supérieur du pluralisme. Diversité des opinions intellectuelles, diversité des opinions politiques. Il faut aussi, alors c'est un peu plus rude aussi, mais il faut quand même bien dire les choses, il y aura besoin d'un rééquilibrage des rédactions. Qu'il y ait des gens de gauche et des gens politiquement corrects dans les rédactions, pourquoi pas, mais pas uniquement. Pas uniquement. Et je dois dire que ce rééquilibrage, aujourd'hui, est possible. Il n'aurait pas été possible il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez voir un jeune garçon ou une jeune femme qui vous dit bah, « j'envisage de faire du journalisme », eh bien, il y a la possibilité de lui dire « oui, c'est possible » parce qu'il commence à y avoir des débouchés sur des médias alternatifs qui se développent. Il en est tous les jours. Et donc, il y a la possibilité de déboucher. Et il y a la possibilité de se former. Supposer, c'est évidemment un rêve, mais supposer, il y a dix ans, on aurait dit, voilà, on cherche un présentateur ou une présentatrice politiquement incorrecte pour TF1 ou France 2. La réponse était, il n'y a personne. Aujourd'hui, on pourrait trouver facilement des gens capables de le faire. Je pense à Élise Blaise de TV Liberté, je pense à Charlotte Dornelas sur CNews, il y a aussi sûrement des gens sur Russia Today ou Sputnik qui pourraient faire le job. Voilà. Mais alors qu'il y a 10 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, ce serait possible. Évidemment, ça suppose quand même un peu de bouleversement dans l'appareil de direction des grands médias, mais c'est possible. Et puis, il faut combattre avec énergie les extrémistes des salles de rédaction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les traiter comme des militants extrémistes et non pas comme des journalistes normaux. Voilà. Et ça, je pense que c'est bien leur marquer les choses. Voilà. Et enfin, il faut dénoncer les oligarques politiquement corrects. J'en en citerai qu'un. Il y a deux propriétaires au monde. Il y a M. Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque, je ne sais pas trop d'où il vient, à vrai dire, donc je ne peux pas trop en parler. Et l'autre, c'est M. Niel. Il faut savoir quand même que Niel, c'est absolument extraordinaire. Niel, c'est le propriétaire du Monde. Le Monde, c'est le journal de référence. C'est le journal qui dit le bien. Niel a été poursuivi et condamné pour proxénétisme. Bon, ça peut arriver, mais enfin, ce n'est pas franchement un brevet de vertu. Et en tant que propriétaire de Free, il est le principal hébergeur mondial de vidéos pédopornographiques. Et donc, quand Le Monde fait un article moralisateur, c'est pas mal de rappeler que le propriétaire de ce journal moralisateur, luttant contre la très méchante extrême droite, est le principal hébergeur mondial de vidéos pédopornographiques. Bon, c'est une activité, d'accord, mais ça ne qualifie pas particulièrement pour
donner des leçons de morale. Alors, voilà, j'en ai terminé avec ce point. La situation, objectivement, la situation médiatique a évolué de manière positive. Mais ce serait une erreur d'être excessivement optimiste et de considérer que parce que les niches de liberté dans les médias se développent, que les médias sont devenus pluralistes. Ce n'est pas encore le cas, mais la dynamique va incontestablement dans le bon sens. Il faut évidemment l'accélérer et l'encourager de deux manières. Eh bien, en soutenant les médias alternatifs, évidemment, et en combattant de manière radicale et sans faux semblant les extrémistes qui se trouvent, les extrémistes de gauche, les extrémistes politiquement corrects, qui se trouvent encore dans les médias dominants, que nous préférons appeler ici, comme à l'Observatoire du journalisme, les médias de grand chemin, qui restent des ennemis à combattre.